Et puis cette année, on a décidé pour la première fois depuis, je crois, plus de 15 ans, de créer une Agada qui, en fait, propose et la Agada traditionnelle et des activités alternatives. Ça va être une Agada qui est interactive, c'est-à-dire on va recevoir et des chansons et des textes et des vidéos d'enfants et de jeunes de la chômeur du monde entier qui chantent Manish Sana, qui font les prières ensemble, et puis des petits jeux pour rendre le CEDER plus interactif pour les jeunes comme pour les personnes plus âgées. Donc, c'est des petits jeux qui sont téléchargeables. Comment vous faites en cette période un peu compliquée ? On va envoyer la Agada sur un lien. Et sur le lien, en fait, pour chaque partie qui est un peu interactive, il y aura la possibilité d'aller directement sur Internet. Donc, après, chaque Ken de la chômeur, chaque pays de la chômeur va décider. Et ce qu'ils font d'habitude, quand on peut se rassembler, on fait un troisième CEDER. C'est une tradition qu'on a à la chômeur mondiale de faire le troisième CEDER à la chômeur. Donc, on invite toutes les familles et on le fait ensemble. Donc, je pense que cette tradition va être conservée. Par exemple, pour la chômeur de France et de Belgique, chacun vont publier sur leur Facebook à quel moment ils font le CEDER interactif ensemble et inviter toutes les familles à les rejoindre. Shana Orly, vous êtes là ? Shana, bonjour. Vous nous entendez ? Vous m'entendez ? Très bien. Voilà, on vous voit et on vous voit aussi. Alors Shana, vous avez des responsabilités au sein de la chômeur à Tsaïr et puis on s'est dit que c'était aussi important de savoir comment on fêtait Pessar au sein de la chômeur à Tsaïr. Eh bien oui, je vais vous raconter ça. C'est franchement toute une aventure, hein, vu la réalité. Nous, on a l'habitude, la chômeur à Tsaïr, c'est un mouvement de jeunesse juif humaniste, culturel, qui est basé dans plus de 24, maintenant 25, je crois, pays. Et donc, on travaille avec des jeunes et des familles, des communautés qui sont partout dans le monde. Et bien sûr, en fait, du fait qu'on soit comme ça un peu partout dans le monde, nous, on a l'habitude de faire les chagim aussi, de proposer plusieurs activités sur Internet. Donc, pour le coup, on est un peu préparé. Et puis, cette année, on a décidé pour la première fois depuis, je crois, plus de 15 ans, de créer une Agada qui, en fait, propose et la Agada traditionnelle et des activités alternatives. Ça va être une Agada qui est interactive, c'est-à-dire on va recevoir et des chansons et des textes et des vidéos d'enfants et de jeunes de la chômeur du monde entier qui chantent Manish Sana, qui font les prières ensemble, et puis des petits jeux pour rendre le CEDER plus interactif pour les jeunes comme pour les personnes plus âgées. Donc, c'est des petits jeux qui sont téléchargeables. Comment vous faites en cette période un peu compliquée ? On va envoyer la Agada sur un lien. Et sur le lien, en fait, pour chaque partie qui est un peu interactive, il y aura la possibilité d'aller directement sur Internet. Donc, après, chaque Ken de la chômeur, chaque pays de la chômeur va décider. Et ce qu'ils font d'habitude, quand on peut se rassembler, on fait un troisième CEDER. C'est une tradition qu'on a à la chômeur mondiale de faire le troisième CEDER à la chômeur. Donc, on invite toutes les familles et on le fait ensemble. Donc, je pense que cette tradition va être conservée. Par exemple, pour la chômeur de France et de Belgique, chacun vont publier sur leur Facebook à quel moment ils font le CEDER interactif ensemble et inviter toutes les familles à les rejoindre. Ça veut dire que vous allez faire vraiment dans les règles de l'art ce troisième CEDER ou vous allez juste chanter, jouer ? Comment ça s'organise ? Dans les règles de l'art, on propose, en fait, on a des familles qui sont plus ou moins observantes, des familles qui sont orthodoxes, des familles qui sont complètement laïques. Et donc, en fait, on essaye de proposer quelque chose d'alternatif qui convient à tout le monde et qui est vraiment un CEDER interactif où les petits et les moins jeunes peuvent parler, discuter, réfléchir et en fait rendre la religion, rendre ce chag vraiment accessible à tous, même pour des familles qui sont pas forcément religieuses, pas forcément observantes, pour qui aller à la synagogue c'est pas une tradition. Et donc l'idée c'est vraiment de se réapproprier ce chag et de permettre à tous nos jeunes de le vivre d'une façon qui est émouvante, excitante et qui les rend en fait vraiment partie de la communauté juive. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire évidemment ensemble. Donc ça va être un challenge de le faire en ligne, mais ça va aussi pouvoir promouvoir de belles opportunités. Par exemple, je sais que tous les pays d'Amérique latine dans lesquels on est présent vont faire le CEDER tous ensemble, parce que c'est vrai qu'ils sont au même créneau horaire. Et donc, ils vont faire tous ensemble en espagnol le CEDER avec la Agada qu'on a créée. Et cette Agada qu'on a créée, c'est plus d'une centaine de jeunes, de moins jeunes, de communautés de la chômeur du monde entier qui nous ont envoyé des photos, des dessins, des chansons, des questions à poser après chaque prière, etc., pour développer vraiment un CEDER
vraiment, on va profiter ensemble et on va se le réapproprier. Donc très en bien. Fait, il n'y a pas de véritablement, il n'y a pas véritablement de thème à ce CNR. C'est plutôt les questions des uns et des autres qui sont mis ensemble et qu'on va essayer de partager. C'est ça, l'idée. Alors c'est à la fois ça l'idée, mais le thème évidemment, c'est le thème de Pessard. C'est mais la liberté, je suppose aussi. Et donc forcément, c'est une question qu'on va se poser. On a une jeune de la Chaumière de Rome qui nous a envoyé un super texte qu'elle a écrit sur comment on se sent libre ou non pendant cette période de confinement, et surtout en Italie où la réalité est si terrible et on a des parents bien et sûr. Des grands-parents de nos communautés de la Chaumière qui nous ont quittés à cause de cette épidémie. Et donc du coup, comment le peuple juif continue à être libre, à recréer, à s'approprier nos traditions, vraiment autour du concept de liberté et vraiment prendre l'histoire de la Haggadah, de Pessah, et vraiment avoir nos jeunes qui se reposent ces questions, en fait, comment le peuple juif va continuer sa liberté, son projet de liberté humaine, aussi bien pour le peuple juif que pour les autres peuples. Il y a quelque chose de très important dans notre Haggadah, où on va réfléchir à est-ce qu'on peut vraiment être libre en tant qu'individu et peuple juif si d'autres peuples sont pas libres aujourd'hui, s'il n'y a pas une égalité totale entre les citoyens, s'il y a encore des injustices, des discriminations. Est-ce que vraiment l'histoire de Pessah ne nous permet pas d'apprendre sur ce que Dieu a fait, sur ce que nous, en tant que communauté, on peut offrir au monde? Et donc ces questions-là, on va se les poser ensemble dans plus de 8 langues différentes, en simultané ou pas, sur Internet. Voilà, extraordinaire. Pour terminer, est-ce que vous avez l'impression, Shana, qu'en raison de la situation, en raison de la tension, etc., est-ce qu'il y a vraiment une forte demande, justement, de participer à ce genre de Sedarim? Ah, tout à fait. La première semaine de confinement, on a offert une Kabbalat Shabbat mondiale à des horaires qui convenaient aussi bien à l'Australie qu'à l'Europe, qu'aux États-Unis et à l'Amérique du Sud. On a eu plus de 800 personnes ensemble sur Zoom pour chanter, faire fêter l'entrée du Shabbat et le faire d'une façon pour nous culturelle et humaniste. Mais donc plus de 800 personnes, on se cherchait, on voyait nos amis du monde entier, les grands-parents, les enfants, les gens dansaient, chantaient, c'était magique. Et donc on continue, on a offert aussi une Shira Betzibour, des chansons juives et israéliennes. On a eu à cet événement plus de 400 personnes aussi du monde entier. Donc on continue sur cette lancée. On propose maintenant une Haggadah spéciale de Pessah. Et évidemment, les gens en demandent. Pour eux, la Chaumière, c'est leur communauté juive. Il faut se le rappeler, c'est des gens qui ne vont pas forcément dans les synagogues, c'est leur communauté juive. Et donc forcément, pendant les fêtes, on a besoin de se sentir en famille, en communauté. Et on se rassemble cette fois-ci sur Internet. Très bien. Alors sur Internet, justement, pour les francophones, le plus simple, c'est d'aller sur la Chaumière de France ou la Chaumière de Belgique. Vous tapez sur Facebook, à Chaumière France ou à Chaumière Belgique. Et on va partager effectivement en français la Haggadah interactive. Et vous pourrez soit participer directement au CEDER en France ou au CEDER en Belgique, ou télécharger la Haggadah et le faire à la maison dans le confinement. Voilà. Super, donc, très bien. Merci beaucoup. Bravo pour cette belle initiative. Voilà, ces outils pédagogiques qui, j'en suis sûre, vont en ravir plus d'un. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, menée par Daniel Haïk, Olivier Granilli et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.